Ce matin, nous avons voulu avoir cette réunion avec vous pour partager avec vous certaines informations sur le secteur du vivrier et notamment sur les accompagnements que l'État a apportés au secteur du vivrier. Nous voulons partager avec vous ce matin notre vision sur l'organisation et la structuration des coopératives que vous êtes, sur la nouvelle vision du commerce des produits vivriers voulus par l'État de Côte d'Ivoire. Et puis, bien évidemment, il y aura des points de divers sur lesquels nous allons échanger, mais aussi nous allons échanger sur la remise de matériel effectuée par le Premier ministre le 7 mars dernier à Boisflay. Donc, c'est des informations que je voudrais partager avec vous. Parce que, au regard des appels que souvent je reçois, je note que nous ne sommes pas tous au même niveau d'information. Donc, il était bon que nous nous retrouvions ce matin pour que nous puissions échanger. Alors, sur le premier point qui porte donc sur l'appui à la COVID-19, les fonds que l'État a donnés pour soutenir le secteur de l'agriculture et particulièrement le secteur du vivrier. Sur ces fonds, il faut dire que pour accompagner les acteurs de la production de toutes les coopératives qui sont du domaine de la production, l'État a décaissé un fonds qui a été remis au ministère de l'Agriculture, qui donc avec l'ANADER était chargé de vous accompagner. Il y a aussi un fonds qui a été décaissé pour l'Office d'aide à la commercialisation, l'OCPV, pour accompagner les commerçants de produits vivriers. Je précise bien pour accompagner les commerçants de produits vivriers. Notre ministère de tutelle, comme vous le savez, c'est le ministère du Commerce. Toutefois, je rappelle que initialement ce fonds était de 4,4 milliards. Je crois que le jour de la remise du chèque, certains d'entre vous étaient à la caisse table avec nous. Et dans ces 4,4 milliards, il était prévu 3,4 milliards pour accompagner les acteurs du commerce des produits vivriers. Et ce que nous appelons commerçants de produits vivriers, c'est d'abord les grossistes. C'est-à-dire quoi? Ceux qui se déplacent pour aller en milieu rural, pour aller acheter la marchandise, pour venir approvisionner les marchés. Il y a également les responsables de marchés de produits vivriers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coopératives qui gèrent des marchés de produits vivriers. Et puis, il y a certaines fêtières des sociétés coopératives qui sont présentes ici à Abidjan. Évidemment, quand nous parlons de vivriers, il faut entendre par là tout ce qui est produit d'origine végétale, les produits d'origine animale, les produits d'origine halieutique. C'est tout ça qui forme, disons, le secteur du vivrier. Donc, initialement, comme je vous l'ai dit, c'était 4,4 milliards. Et c'est sur cette base que nous avions fait les répartitions. Donc, ceux qui étaient à Yamoussoukro avec nous, à la fondation Félix Houphouët-Boigny, qui ont suivi, ils ont vu que ce jour-là, nous avions remis des chèques à certains présidents, présidentes de coopératives, et vous avez vu que les montants était assez conséquent ce premier jour-là. Mais au regard des difficultés que l'État rencontrait pendant cette crise, parce qu'il y avait deux secteurs qui n'avaient pas été pris en compte, de 4,4 milliards que l'État avait promis, nous sommes passés à 2,2 milliards. Donc nous avons revu les montants de ces appuis. Et à la fin,
l'État nous a notifié un montant de 1,5 milliard. Donc vous voyez qu'on est passé de 4,4 milliards à 1,520 milliards pour accompagner le commerce des produits vivriers. Voyez-vous que déjà les premiers appuis que nous avons faits, c'était des montants conséquents. Et chaque fois que le montant diminuait, nous aussi, nous essayons de revoir les montants à la baisse. Lorsque ces fonds nous ont été donnés, on recevait des appels d'un peu partout, dans toutes les régions. Et donc, moi, j'ai pris attache avec mon ministre pour lui dire que les fonds qu'on nous a donnés, c'était pour les femmes du vivrier, celles qui font vraiment le commerce des produits vivriers et non les coopératives de l'intérieur. Il a suggéré que vraiment je fasse en sorte que toutes les régions de la Côte d'Ivoire puissent bénéficier de ce fonds pour aider tout le monde, puisque tout le monde a souffert de cette crise. On a eu à discuter, hein, parce que moi je lui ai dit, il y a l'agriculture qui a reçu un fonds. Ça c'est pour les producteurs. Celui que nous avons reçu, c'est pour les commerçants. Il a dit qu'à cela ne tienne, arrange-toi pour que chacun ait un peu. Donc, je pense que si, à la suite, vous avez vu que M. Zawi, qui est le responsable, hein, qui gère donc l'encadrement des coopératives, a dû s'adresser à toutes les coopératives de l'intérieur pour avoir leur dossier, c'est parce que M. Le ministre Souleyman Diarra Souba, a voulu et nous a donné des instructions par rapport à cela. Nous avons donc commencé à distribuer les fonds aux coopératives. Certaines régions ont déjà bénéficié de ces fonds, mais en temps, il fallait dire que le dernier virement n'était pas encore fait. C'est en fin d'année 2021 là que nous avons reçu les fonds. Il faut dire qu'il y a eu un audit qui a été fait par un cabinet de la place. Son rapport définitif ne nous a pas encore été remis, mais ce qu'il nous revient, c'est que les premières coopératives qui ont reçu ces fonds-là, en tout cas, c'est vrai que certaines ont utilisé ces fonds comme ils nous l'ont dit, mais beaucoup n'ont pas utilisé ces fonds-là comme ils se devaient. L'argent est resté entre les mains de certaines femmes, ce n'est pas arrivé là où il devait arriver. Nous avons fait le point à notre ministre pour lui dire voilà ce qui s'est passé, on a viré les fonds sur les comptes des coopératives, mais voilà que certaines femmes, certaines coopératives se plaignent de ce qu'elles n'ont pas reçu cet argent. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il nous a dit bon, ce qu'on peut faire, c'est que désormais, on ne les remettra plus de l'argent. Mais il faut remettre au moins en matériel. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. Donc sur cette base, j'ai donné instruction à M. Zawi de se rapprocher de toutes les coopératives afin que ces coopératives-là puissent exprimer leurs besoins en matériel. Donc c'est ce qu'il a fait. Et je pense que chaque coopérative a dit un peu ce qu'elle voulait. Et ce que nous avons noté, c'est qu'il y avait beaucoup de coopératives qui voulaient des tricycles. En tout cas, c'était un premier des tricycles. Quelques coopératives voulaient aussi des broyeuses. Il y a quelques coopératives qui voulaient des décortiqueuses, bon, des brouettes. Tout ça, nous avons recensé. Et quand nous faisons le point, hein, pour être franc, s'il faut acheter tout ça, les ressources que nous avons ne nous permettent pas d'acheter cela. Mais nous allons voir dans quelle mesure faire l'effort pour satisfaire chaque coopérative qui a fait une demande. Le problème qui se pose à nous et sur lequel nous voudrions vraiment échanger avec vous sur la question, c'est que, vous savez, en matière de gestion du budget, initialement, c'était des dons qu'on devrait vous faire. Mais maintenant, il s'agit d'acheter du matériel pour vous remettre. Donc, en principe, la nature de l'activité a changé. Alors,
quand nous discutons avec les spécialistes en matière de passation de marché, il y en a qui nous disent qu'il faut modifier le budget pour que vous mettiez ça sur une ligne où on peut faire des marchés. Il y en a aussi qui nous disent, écoutez, il faut vous accorder avec les coopératives du vivrier pour que chacun puisse trouver son fournisseur, pour qu'on puisse payer directement le fournisseur. Parce que là où on a peur, c'est qu'on puisse faire un virement, c'est-à-dire qu'une coopérative nous dit, par exemple, moi j'ai besoin d'un tricycle, on lui fait un virement pour acheter un tricycle, et une fois de plus, la coopérative n'achète pas le tricycle. Et finalement, l'argent sert à autre chose. Donc c'est de nous accorder, par exemple, sur le mode opératoire, comment nous allons opérer. Parce que nous, à notre niveau, nous n'avons plus, nous avons peur, j'allais dire, de remettre de l'argent à des gens pour que ça ne serve pas à la cause. Par contre, si une coopérative qui veut peut-être une broyeuse nous dit, bon, moi j'ai trouvé ma broyeuse dans tel coin, ça coûte tant, virer, payer directement l'opérateur, et puis moi je récupère ma broyeuse. Nous sommes partants, par exemple, pour cette option. Donc tout à l'heure, la parole va vous être laissée pour que vous puissiez donner votre avis sur comment nous allons procéder pour gérer ces questions d'équipement. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est depuis pratiquement fin année dernière qu'on a reçu les fonds. Si jusqu'à présent nous ne les utilisons pas, l'État va reprendre son argent. Ce qui dira simplement qu'on n'en a pas besoin. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur le fonds d'appui COVID.